Eh bien, salut les amis, c'est Benoît le Barbu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu GTA V Online. Première vidéo sur le jeu, c'est vrai que c'est un jeu que je joue depuis un petit moment. J'avais fait une petite pause en attendant la DLC, et je suis donc niveau 91, j'ai 2 millions 100 000 à peu près. Et on va tester donc cette nouvelle mise à jour avec la boîte de nuit. Donc j'ai déjà un petit peu joué la veille, j'avais des potes qui avaient la boîte de nuit. Donc on y va tout de suite, donc je me suis amusé déjà un petit peu à tout acheter, enfin tout vendre ce que je pouvais pour récupérer un peu d'oseille. Donc on va aller sur Mass Bank. Alors je vais en même temps vous présenter rapidement en fait où sont un peu situés mes hangars. Donc moi j'ai le on a le bunker qui est juste ici. J'ai mon QG qui est là. J'ai ensuite là ici on peut pas le voir, mais en fait ici j'ai la méthamphétamine de mémoire ou la cocaïne, et la meth elle est juste ici. Donc vraiment tout est situé dans ce secteur-là. C'est un secteur que j'aime pas mal, le secteur de Sandy Shore. Tout est rapide d'accès, il y a l'aéroport en plein milieu. Voilà pourquoi un petit peu j'ai mis mon poste, et j'ai également le hangar qui se situe juste ici. Donc vous voyez, en fait c'est vraiment, tout est vraiment très très rapproché. Et j'avais prévu donc d'acheter eh bien cette discothèque-là. Alors c'est peut-être l'une des plus chères, 1670. Après, il y avait la mer aussi qui me branchait pas trop mal. 1 million 3, 1 million 6, 1 million 6, 1 million 6. Boîte de nuit des Hélènes. Ouais, alors là, ça fait vraiment 1080, ça fait vraiment, vraiment pauvre. Ouais, mais je pense que je vais rester sur celui que j'avais vu qui est tout là-haut. Et celui-là, 1007. Ouais, on va rester sur celui-ci. Alors après, je suis pas excessivement riche. On va quand même se faire plaisir. Alors là, pour l'instant, on va peut-être prendre simplement ça. Au niveau du nom, il me faut un nom quoi qu'il arrive. Il me faut un nom, c'est très très important. On va l'appeler comment? Paradise, Maisonnette, Technologie. Ouais, Galaxy, j'aime bien. Galaxy, j'aime bien. En plus, comme je suis sur Android, bref, aucun rapport, mais je trouve ça plutôt sympa. On va voir au niveau de la. Ouh la vache, plus 213 000. Ça va être chaud là par contre pour les avoir. Ça va être chaud. 213 000. Ouais, alors pour l'instant je vais pas pouvoir me les prendre. On va juste le style qui est important. Le style qui est important. Comment on fait pour les annuler? Parce que là, neige carbonique. Oh, c'est cher ça par contre. Donc là j'ai pas le choix. Il va falloir que je m'amuse un petit peu à vendre. Comment je peux le retirer? Ah, je croyais que c'est là. Voilà. Voilà, on a 200 000 au niveau de l'éclairage. Je vais voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. S'il n'y a pas des trucs. S'il n'y a pas des trucs, voilà, 88 000, c'est bon, on va pouvoir le sélectionner. Alors, pourquoi il ne veut pas descendre? Ah, voilà. C'est bon, donc ça, c'est le petit éclairage qu'on a dans la vidéo de mise à jour. Après, il y a celui-ci. Cet éclairage-là. Oh, celui-là, il est ouf. Mais c'est vrai que celui-ci, il est sympa. Bon, je vais tester celui-là. On va voir si ça peut passer. Ça va être juste, je pense. On va voir ce que ça va nous mettre. Après, on peut acheter effectivement les sous-sols. Bon, pour l'instant, les sous-sols, j'en ai pas trop besoin. Et non. Alors, qu'est-ce que je vais peut-être retirer en attendant. Revenir à la carte. Ah ouais, échec, je suis obligé de recommencer du coup. Oh là 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 là. Alors après, effectivement, dans le jeu, j'ai jamais utilisé de glitch. Je le joue vraiment, on va dire, le plus simplement possible, sans avoir à. Ouais, sans tricher entre guillemets quoi. Donc je m'amuse à vendre chaque soir, tout le temps, les petites choses dont j'ai besoin. Voilà, 2100 là ça va passer. Et on va juste mettre un nom du coup. Et on va mettre. On avait dit Galaxy. Ah ben non, c'est ce que je viens de faire, je suis teubé. Bon, tant pis, au pire, on met pas de nom. On va laisser pour l'instant Omega, et puis on le renommera un petit peu plus tard. Ça c'est bon. Quoique non, c'est pas. Ouais, si on va laisser comme ça. Et ben c'est parti, on a un autre éclairage par contre. Au niveau de l'éclairage, ouais, c'est l'éclairage que je voulais. Allez, c'est parti. On achète. Putain, alors là j'ai vraiment plus aucune oseille. Revenir. On va placer le repère. Et revenir à la carte. Allez, c'est parti, let's go. Allez, allez.
Oh la putain, et la vache, elle a mis 10 ans à sortir. C'est un endroit, tu peux venir. Quand tu veux. Ok, bah c'est parti. On va y aller du coup, on a le petit hélicoptère qui est là. Allez, rendez-vous dans votre pour lancer votre nouvelle affaire en tant que gros bonnet. Gros bonnet, pardon. Allez. On est parti, après on s'amusera à faire des petites vidéos donc sur le gros bonnet. Mauvaise nouvelle, enfin non, c'est plutôt une. Oui, une nouvelle pas très je sens c'est venu, tu verras, c'est au niveau de quoi, il y a plein d'abrutis. D'accord, ok, ça marche. Le petit logo donc qu'on voit apparaître violet. Donc ça c'est bien. Allez. Alors cette arme là c'est une arme que j'utilise énormément, enfin cet hélicoptère. Hein. C'est vrai que pour me déplacer, c'est un des hélicoptères le plus rapide. Équipé de lance-roquettes donc avec les petites mitraillettes. Donc ça marche plutôt bien. Je m'en sers quasiment ouais que de. Ouais c'est quasiment mon hélicoptère de prédilection. Même si le moindre choc en fait lui est quasiment fatal. Bon ça reste quand même relativement correct. Allez on y va. Je pense qu'il y aura une petite cinématique. Parce que du coup quand j'étais voir chez mes potes, bah, ils avaient déjà installé un petit peu les petites choses. Alors, et nous c'est juste là. Allez. Voilà, pèse-toi tranquillement. Petit pilotage. Alors. Ah, ça va être la boîte qui est là-bas, je pense. Ouais. Ah, on va se garer sur notre parking, hein. C'est notre parking ici, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Donc tes artistes c'est parti je pense on va regarder la petite cinématique on va laisser passer oh, les publicités comment elles sont de la balle allez petit chargement Me too. Tony, can you hug? Yeah.
Oh, c'est quoi cette fiotte? I am gonna fix this place up for you. You can do whatever you want down here. Literally, whatever you want. Ça c'est bon ça. Space, plenty of room, lots of storage. You can set up a hub for your other businesses, maybe. I don't know, I'm just saying. Whatever you need, I know nothing. I mean, I know everything, but make your way through there. You got a computer in there. You can bring another staff down here, your whole entourage, whatever you need. Sure know how to set that up. And upstairs, upstairs is another office with a computer on the same network. You can run the club business out of that. And the interior team ready to move in. Oh, and the name, Omega. Let's go. Bon, j'espère qu'on pourra quand même changer le nom, parce que le nom de la boîte, j'aurais voulu autre chose quand même. Hein. David Guetta, il est là, David Guetta. My new investor, English Dave. Ah, safe, skin, respect. David, home, long time, no power. Here's a kite, Dave, and cursing fate, and you. Oh, never better, old son, never better. One love. Nice bag. Ah, no, thanks. Ah, suit yourself. Ah ouais, c'est bien David Guetta. What can I do you for? We're reopening as a nightclub. Ha-ha! A proper underground dance music paradise. And what kind of crowd do you want in this paradise? Don't be judgmental, Dave. We're gonna make this place amazing. I need people, you know music. Club music. What you need, old son, is a European. Someone with savoir-faire. Someone who can bring in the business. Let me see. No, not him. Not her. To open this dump, bring in a good crowd. Solomon. It's the proper shit. Great music, great crowd, and no cheese. How much? Let me see what I can do. Daniel, his manager, owes me a favor. I've got a few other DJ ideas as well. One love. One love. We've got to get to work. Love. Faut qu'on se mette au travail. And oversee the improvements. You get us a staff and a sound system. Do you know a ritual sacrifice? Festival out in the desert? Gotta borrow some things from their socialist utopia. And staff, I've arranged to poach a few. It's all on the office computer. Et ben voilà, on est chez nous. On est chez nous. Putain, il y a des armes armées aussi ou quoi? Ah non, c'est simplement un mec qui est en train de faire les réparations. Ok. Allez, on se barre, on va aller au PC voir un petit peu ce qu'on peut faire. Tony, on a déjà commencé la rénovation. Et le partage avec vous. Ok, ça c'est top. Ok, donc on va aller checker vite fait. Sur le PC, donc c'est ce PC là. Omega. Il ne peut y avoir plus de... Eh bien écoutez les amis, ce que je vous propose c'est qu'on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc là il faut que je change de session effectivement parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de bonnets, de PDG et tout. Donc on se fera une autre petite vidéo sur un petit peu comment on va organiser notre boîte nuit. Donc n'hésitez pas à acheter un maximum de pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine.